c'est cadeau. C'est cadeau. À moins que j'ai 4 très bons survivants en face, sinon c'est cadeau. Oh, cette map quoi. Tu peux pas perdre là-dessus. Contaminé. Voilà, j'ai tous les générateurs de la map qui sont contaminés, ça y est. Plus qu'à attendre. Comment ça se fait que j'ai son aura? Ah, il a... Hop là! Ah putain, la commande est en train de partir. Il est déjà là! Il y a le livreur qui est là! Attendez, j'ai le livreur. Mais putain, ça m'a pas envoyé le message comme quoi le livreur partait. Attendez, je dois accrocher. Ah putain, ils vont croire que je campe. Attendez, je m'éloigne vite. J'ai le livreur qui est là! Putain. Je reviens! Avec NordVPN, je n'ai plus de peine et merci Vargou de m'avoir redonné le goût. Cours, petite fille! Cours! C'est sale! 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 C'est un délire! Ah. Bon, ils sont où? Ok. Allez, faut tuer Dwight et Michaela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été méchants? Ils ont été méchants, c'est vrai? Va sur Dwight, il a T-Bag et tout, c'est ça? Oh le salaud! Ils sont en train de gen rush en plus, hein! Ils sont en train de gen rush! Dwight, il t'a flash 5 fois. Il a clic-clic et tout. On va le tuer. Eh, en vrai! En vrai, si on arrive à remonter la pente, je vous le dis, on met la vidéo sur YouTube, hein, parce que là... Oh, sabotage discret. Magnifique. Magnifique, le sabotage. Allez. Ouah, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Si on arrive à remonter la pente, on met la vidéo sur YouTube, les amis. C'est annoncé, hein. Mais bon, là... Ça va aller?
Alors attends, vas-y, let's go, bim, on te récupère. On va t'installer juste là, tranquillou. Voilà, dernier générateur tombé. Hélas. Ouais, bah ouais, bah malheureusement j'étais AFK, du coup ça m'a un peu tué la game, mais bon, que veux-tu. Alors, ça fait deux. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ne me dis pas que je gagne et que je vais mettre la vidéo sur YouTube quand même, c'est pas possible. Non. GG. Non. Non. Mec, ce serait relevé déjà, elle aurait ouvert la porte. Sarina, est-ce qu'elle aurait pu se relever? Y'a pas d'indé là? Y'a pas d'indé, putain, j'ai de la chance hein, qu'il y ait pas d'indé. Ah, Zarina se serait relevé. Le délire quoi. Non, je mets vraiment la game sur YouTube, après je l'ai dit. Putain, j'ai dit je mets la game sur YouTube quoi. Ah, je dois le faire, hein. Je peux pas dire des trucs en l'air comme ça, c'est pas possible. Bon, je suis désolé hein. Je m'adresse à la communauté YouTube, cette game est pas très intéressante, mais j'ai dit que je la mettrais sur YouTube. Si je faisais 4 kills ou si je faisais une victoire avec 3 kills, c'est le cas. Du coup, bon bah. Il faut que je la mette sur YouTube quoi. Bah, vous voulez pas hein, si vous trouvez pas la game très intéressante. Une promesse, c'est une promesse. Bon, j'ai mon BK et tout, c'est cool. Où est-ce qu'elle est la mag? Petite mag! Mag! Je sais que tu as adrénaline. J'ai vraiment peur que la mag ait l'adrénaline. Alors? Elle a pas adrénaline, non. Tout va bien. Après on s'en fout en vrai, c'est l'adrénaline qu'elle ouvre la porte et qu'elle part. On a fait 3 kills, ça va. Bah, j'aimerais bien la trouver la pauvre qui meurt pas d'hémorragie quoi. Hein? Ça leur apprendra à pas respecter le BK. Ah, ils ont vu sur AFK, ils ont dit bon. Pourtant ils ont vu que j'ai commencé à jouer sur un début de partie. Mais c'est vrai que le livreur en fait, je reçois toujours deux messages. Je reçois un message avec marqué actuellement BK prépare du coup, enfin un BK ou le resto en question tu vois quand je commande sur Barrett. J'ai du coup à chaque fois le resto qui me marque actuellement le restaurant prépare votre commande. Et je reçois un deuxième message avec marqué le livreur est en cours de route. Le livreur vient de partir, il est en route et je sais que 5 minutes après il est là tu vois. Là ils m'ont pas envoyé le deuxième message. C'est pour ça que j'ai lancé la game, je me suis dit ça va tranquille. Il doit y avoir beaucoup de monde. Pas du tout en fait. Pas du tout du tout du tout. Ah mais t'es là. Oh. Oh. Hop là. Ouais mais voilà. On a eu un bon début de game. Un milieu de game, bon inactif hein, désolé. Et une fin de game plutôt efficace. Et c'est ça en fait la force de l'épidémie. C'est vrai que c'est un tour qui est quand même très fort en vrai, tu peux mettre des hits à plusieurs survivants avec ton pouvoir et tout, je les ai empêchés de relever la copine et du coup bah ça a été le chaos à la fin. Meg aurait dû ouvrir la porte.
Meg aurait dû ouvrir la porte, elle serait partie et il y aurait eu que 3 kills. Il fallait ouvrir la porte. Sachant que l'épidémie là, du coup, moi j'avais le vomi rouge. Elle aurait dû ouvrir la porte. Après, je sais pas, ça se trouve, la porte était... Il manquait encore un petit peu sur la porte. Hein. Je sais pas s'il a mis à 99% ou si la porte était à 90% et il manquait quelque chose, quoi. Donc voilà. Hop.